Bonsoir à tout le monde. Vous avez vu, j'ai poussé où sont passés les parrains. Voilà, les parrains. J'ai salué, j'ai donné les noms. Voilà, j'ai donné les noms des parrains. Et non, les noms des personnes. Voilà, I'm good, I'm so good, Giovanna, my sister love, I'm so good. Yeah. Foliba est albanien. Voilà. Queen à l'école, mon ami. Diallo, Queen à l'école. Je n'ai pas du tout mis ce titre-là par fantaisie ou bien pour m'amuser. Non. Je ne l'ai pas mis par fantaisie. Je ne l'ai pas mis pour m'amuser. Merci, Cheikh Tila, le champion. Voilà. Ce que je voudrais dire, honnêtement, Bala Samora aujourd'hui écarté. Dansa aujourd'hui interdit de voyager. Dansa Kuruma interdit de voyager. Comment on appelle ça? En tout cas, la plupart. Mais si moi je pose la question de savoir où sont passés les parrains, ne soyez pas surpris parce que tous ceux qui ont été nommés dans ce gouvernement-là ont été nommés par recommandation ou par le voulu de Idi Amin. À la Villa 5. Tout le monde connaît la Villa 5. Il a été, Mamoudou, à la Villa 5. Lorsqu'il est rentré, il a dit à Doumbouya, attends, moi je viens, je m'occupe du gouvernement, je m'occupe de la situation. Bakadja, il est rentré, nous connaissons la suite. Ma vidéo existe au départ avant la constitution du gouvernement. Je fais part de la présence de Gawal à la Villa 5. La vidéo est là-bas. Il sera soit ministre, il avait même donné le poste qui a été prévu pour lui. Comment on appelle ça? Gawal. Aujourd'hui, Gawal est devenu la personne qu'on demande de mettre à la touche. Mais qui dirige la Guinée aujourd'hui? Qui dirige la Guinée aujourd'hui? Qui gère la Guinée aujourd'hui? Si je voulais titrer ma vidéo de savoir aujourd'hui qui dirige ce pays. Qui gère ce pays? Parce que l'autre là, lui, il est mis à la touche d'abord. Depuis 2 jours, il est mis à la touche. Il le sait. Je mets quiconque à défier un de ses partisans de venir me dire le contraire. Parce qu'au-delà même qu'on dit qu'il a été mis dans une résidence surveillée, parce que c'est ce qui se dit entre eux là-bas. Il est gravement blessé, il est inapte à travailler dans les 2 jours-là. Quelle que soit la force, la capacité, pour le moment-là, il ne peut pas travailler. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Il ne peut pas travailler, il est inactif. Donc aujourd'hui, je félicite, je remercie, je rends hommage à toutes les personnes qui ont accepté de rester dans leurs partis respectifs. Moi, je sais, au fond de mon cœur, partout où vous vous trouvez aujourd'hui là, vous êtes fiers de vos partis politiques et de vos dirigeants et de vos chefs. Je le sais très bien. Au fond de votre cœur, je sais que quelque part, vous nous félicitez. C'est-à-dire, je ne distingue pas les communicants. Moi, je ne rentre pas dans ces débats de le meilleur communicant, le meilleur tel communicant, etc. Non, non, non. Nous sommes dans un groupe. Donc, si je dis la Troïka, je prends tous les communicants qui se sont opposés, qui ont vu cette situation-là depuis le départ. Moi, je les félicite. Je leur rends hommage. Mais, vous savez, j'ai toujours donné notre trophée de meilleur à nos abonnés. Nos abonnés sont les meilleurs. J'ai toujours donné. Est-ce que vous comprenez? J'ai toujours donné ce trophée-là à nos abonnés parce que c'est vous qui partagez. Et même quand on nous insulte là, j'ai fourni tellement d'efforts en disant à d'autres personnes de ne pas répondre. Ce qui insulte là, les injures là, c'est pour des personnes extrêmement faibles. Ils n'ont pas de sujet. Voilà, nous avons un sujet que nous sommes en train de débattre. Vous comprenez? Donc, je suis solidaire envers vous aujourd'hui, Gawal, Bala Samoura et autres. Est-ce que vous comprenez? Non, Bombo, il ne reviendra pas. Mousto, Heidi, comment vas-tu? Donc, je suis en train de dire quoi par là? Que nous qui avons accepté la vidéo là-bas, vous êtes témoins. J'ai tellement chanté derrière, vous avez dit restez dans votre parti,
Restez dans l'IFDG, restez dans le RPG, restez dans l'IFM, ne bougez pas. C'est éphémère. Au moment où je vous parle comme ça, là, il y a plus de 200 demandes de vos... 200, allez-y, je le dis encore, je mets quiconque à défi. Allez-y aujourd'hui demander. Il y a plus de 200 demandes de voyage aujourd'hui. Quand je dis 200 demandes, c'est-à-dire les autorités, c'est-à-dire ceux qui ont la double nationalité ou ceux qui ont, c'est-à-dire ceux qui ont la double nationalité ou bien ceux qui ont la nationalité, mais qui est d'origine guinéenne. Ils ont une seule nationalité, mais d'origine guinéenne. Aujourd'hui, il y a tellement de demandes de départ. C'est-à-dire ils ont fait la demande avec toutes leurs familles qui sont rentrées de l'étranger, de leur pays d'adoption, occuper nos administrations. Est-ce que vous comprenez? Voler notre argent. Et la première personne à déposer, c'est qui? C'est celui du CNSS. Est-ce que vous comprenez? Celui du CNSS. Le Conseil national de la sécurité sociale. Là. Vous le connaissez, non? À chaque poste au Conseil national de sécurité sociale, il y a un poste bis. Créé par ce monsieur-là. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, lui seul, il veut faire partir sa famille bas. Vous savez, sa femme, on l'appelle la patronne du CNSS, sa femme. Elle a mis tous ses parents, tout le monde, moyen de la, à part sa famille, les autres ont obtenu les postes là-bas, là, par là, à moyen de l'argent. Vous comprenez? Aujourd'hui, chacun veut aller, c'est-à-dire chacun veut partir. Mais personne n'ira quelque part. C'est ce que nous avons dit. Nous faisons nos débats à WhatsApp avec les gens là, avec les nouvelles hommes forts, les hommes forts du pays. Ça, c'est mon frère de sang, Fumba. Respect à toi. Donc, les hommes forts du pays, moi, j'ai été très clair. Mon souci, ce n'est pas... Moi, je sais, c'est lui qui m'a dit là. Et vous vous rappelez, je vous ai tout le temps dit ça. Je vous ai tout le temps dit ça. Que c'est lui qui m'a dit que Doumbouya ne fera pas, organisera pas les élections dans notre pays là. C'est quelqu'un qui était chaque fois à un mètre de Doumbouya, tout le temps. Il était tout le temps à côté de lui. Parce que parmi les forces spéciales, il y avait aussi les catégories. Et lui, il a été muté à l'intérieur. Avant d'enlever sa puce dans le téléphone et prendre une autre puce, il a été très clair. Nkalo ala mini grand, mené de kafouyena, kouma a mofla l'été, a maflin, ne de kafouyena, a tu kuno, a tu han klima, a tu kono, a l'été na wala elektiona. Nkwa abon, ne de kafouyena. Quand nous verrons que la situation n'est pas du tout arrangeante, Abba Sofian a dit Mina, c'est nous qui allons le prendre. Mogretam Nala, c'est nous. Donc moi, je le dis souvent, et moi, mon souci, c'était le départ de certaines personnes. Identifier les maisons et les entreprises de certains ministres et cadres et inspecteurs. Et ça, nous l'avons fait. Aujourd'hui, ils ont ça. Les noms bas, les bâtiments bas, les projets bas. Chacun, ce que tu as créé pendant ce CNRD, ce que tu as investi pendant le CNRD, ce que tu as construit pendant le CNRD, tout a été classifié. Est-ce que vous comprenez? J'ai compris, mon frère. En attendant, là, c'est toi qui es en train de perdre ton thèse. Moi, j'ai fini de travailler. Je suis venu, je me suis reposé. Toi, tu es en train de perdre ton thèse avec ta maman, en train de me suivre. Bonne écoute, Sankara. Vous comprenez? Donc, encore une fois, Gawal se dit aujourd'hui, j'ai vu son poste, qu'il est la cible de la presse. Tu n'es pas la cible de la presse. Toi, tu penses que tu as dit vrai. Et pourtant, ce que les gens là sont en train de faire, tu sais que ça te salit pas aujourd'hui. Cela ne te salit pas demain. Mais cela aujourd'hui t'empêche d'exercer un service à l'étranger. Voilà ton inquiétude, Ousmane Gawal. C'est-à-dire, tu ne pourras plus travailler hors de ce pays. C'est-à-dire, tu ne pourras plus être invité et que tu places un argument. On sait que tu es une personne qui a attaqué la presse, qui a attaqué les réseaux sociaux, qui a mis aujourd'hui, pour toi, la bonne solution,
c'est de fermer l'Internet et autres. Aujourd'hui, les banques, tu as vu les banques, aujourd'hui, ceux qui se sont plaints de cette petite coupure-là, ce sont les banques, les transactions, même les diplomates se sont plaints. Voilà pourquoi je dis qu'elle n'est pas intelligente. Parmi vous, là, je ne sais pas qui est technocrate. Ça n'existe pas. Il ne s'agit pas d'aller à l'école pour être technocrate. Il faut savoir aussi réfléchir. Hein? Il faut savoir réfléchir. Mon ami d'enfance, salut, camarade, respect. Khadija, hé, hey, Djeng, comment vas-tu? Voilà. Moi, je t'appelle, je connais pas. Je m'excuse, Khadija, Ngaï Djeng. Voilà, je ne connais pas ton âge, mais tu es ma femme. Merci. Merci beaucoup. J'essaie de. Voilà, donc portez-vous bien. Donc, là, Ousmane Gawal a boni carrièrement. Mais aujourd'hui, pour répliquer, pourquoi tu es en train de placer un argument ou bien des arguments qui ne passent pas. Parce que non seulement tu ne peux pas rencontrer Doumbouya, tu ne pourras pas rencontrer Doumbouya, il est impossible de le rencontrer. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il est impossible de le rencontrer. Voilà, tu ne pourras pas le rencontrer, tu le sais très bien. Tu ne pourras pas le rencontrer. Comment tu vas le rencontrer? Tu n'as pas là où à t'expliquer. Aujourd'hui, Gomu a un problème avec quelqu'un qui s'est dit qu'il est le meilleur des ministres. Celui qui s'est dit, selon lui, il a fait 90% du travail du CNRD. C'est qui? C'est Charles White. Pour Charles White, c'est lui qui a fait le travail du CNRD. C'est lui qui a mis les gens en prison. C'est lui qui a envoyé certains à l'étranger. Donc, lui se dit, hein, qu'il est le responsable, donc il doit être ministre. Lui, un petit comme ça, veut être premier ministre, chef du gouvernement. Il y a ce combat-là entre les deux. Voilà. Il y a ce combat-là entre les deux. Gomu aujourd'hui a eu, malheureusement, pas lui seul, mes frères forestiers qui étaient autour de lui, qui goûtaient à tous les postes, c'est-à-dire pour eux, il faut les de tous les postes, même le petit. Voilà. Même le petit, attendez. Oui, Ali Sankara, merci d'avoir insulté ma maman. Merci beaucoup. Et quand Aïka éducation le dit, ne le répondez pas, s'il vous plaît. Ne le répondez pas. Je le connais très bien, ne le répondez pas. Voilà. Je vais être bloqué tout cela. Il faut aller dire à Facebook encore que tu vas devenir. Moi, je ne vais pas insulter ta maman. Les insultes, là, c'est pour les personnes faibles qui insultent la maman des gens. Voilà. Tu as vu, non? Pardon, ne le répondez pas. Voilà. Ne le répondez pas. Merci. Bye bye. Il faut aller encore demander à revenir. Donc, est-ce que vous comprenez? Le problème, Gomu aujourd'hui, avec ses petits forestiers, qui sont mes parents, qui pensaient qu'ils sont arrivés, qui voulaient, c'est-à-dire pour eux, ils ont tous les. Même le gars qui a eu l'idée de créer ce péage-là, Félix Lama, à l'aéroport international Bessia. Il a sa part dedans. Maïka Bassissé, Mande Mori. Il a sa part dedans. C'est le frère de qui? C'est le frère de gars qui pense que c'est lui qui a fait l'essentiel du coup d'État. Aujourd'hui, tous ceux qui ont eu parrain là ont perdu les parrains. Non, les parrains même sont menacés. Les parrains sont menacés. D'autres ont perdu totalement. On sait qui a envoyé dans ça au CNT. On sait qui envoie dans ça au CNT. C'est le général Sadiba. Sadiba aujourd'hui, ça ne va plus. Sadiba est mis de côté. Maintenant, regardez. Dansa est devenu aujourd'hui quelqu'un comme ça qui est suspendu. Il est suspendu comme ça. Il est comme ça. Suspendu. Merci beaucoup, Diallo, pour les étoiles. Il est suspendu comme ça. J'ai compris, chèque cela, j'ai compris. Non, pas à comprendre, frère. Il est suspendu comme ça. Dans ça, c'est dans ça. Bala Samoura, aujourd'hui, il est devenu l'objet des problèmes entre Idi Amin et Doumbouya. Vous voyez? Et ceux qui se sont battus pour neutraliser ce voyou ne veulent même pas entendre parler de Idi Amin. Voilà la chance que nous avons eue. Ils ne veulent pas entendre parler de Idi Amin. Donc, Idi Amin qui rêvait en écartant tout le monde,
en démobilisant, en déstabilisant, en désarticulant l'armée, pouvait facilement s'imposer. Aujourd'hui, il est devenu lui-même une personne extrêmement visée. Extrêmement visée. Donc, Ousmane Gawal, mon numéro WhatsApp, ok, ma grande soeur Khadija, mon numéro WhatsApp, c'est le 0, si vous êtes hors des États-Unis, salut à tous, salut à tous. Voilà, une feuille volante, merci beaucoup, salut. Mon numéro WhatsApp, excusez, c'est 001-215-779-7634. Ma grande soeur chérie Khadija. 001-215-779-7634. C'est mon numéro WhatsApp, ça. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, Bala, je l'ai dit dans un direct, Bala est devenu un problème entre une puissance étrangère et Doumbouya. Et je pense que Doumbouya, de ce côté-là, avait accompli sa mission avec intelligence. Et je sais qu'il était arrivé à Moussa Keïta. Vous vous rappelez de Moussa Keïta, le colonel Moussa Keïta qui a été nommé. Lorsqu'il a été nommé, on l'a immédiatement donné une garde. Il dit non, j'ai choisi mes gardes. Moussa Keïta avait vu venir tout ça là, Moussa Keïta. Lui avait vu, il avait vu venir. C'est les anciens soldats des militaires de ce pays-là. C'est ce qui fait que je m'adresse souvent à ces militaires-là. Vous ne devez pas vous laisser faire. Les gens là, Moussa Keïta connaît Idi Amin. Moussa Keïta sait que Idi Amin n'est pas un militaire. Idi Amin est un gendarme. Il doit être inspecteur, il doit lutter contre le grand banditisme, il doit être quelque part au renseignement, mais pas celui qui doit gérer l'armée. Quand Moussa Keïta a demandé à choisir ses, quand le Moussa Keïta a choisi ses propres gardes, Moussa Keïta a directement pensé, Moussa Keïta a pensé à quoi? Aux gens du Bata, aux anciens gardes présidentiels d'Alpha Condé, voilà, aux anciens gardes présidentiels d'Alpha Condé, en tout cas à certaines personnes. Ça va dire quoi, vas-tu? C'est qui ça? Excusez-moi. Vous comprenez? Ah, c'est pas grave, ça va dire mon ami, c'est pas grave. Donc, et directement, vous connaissez la suite. Moussa Keïta a été remplacé. Il n'a plus occupé son poste, il a été laissé comme ça. Regardez la remise des véhicules. Ils ont remis des véhicules à certains généraux. Mais je pense que personne n'a observé quels sont les généraux qui ont reçu les voitures. Ceux qui connaissent bien les généraux guinéens, ceux qui connaissent très bien les militaires guinéens, les officiers supérieurs, les 40 qui ont été mis à la touche. Entre Dieu et vous, demandez dans l'armée si Amara n'est pas parti chercher d'autres généraux de la même corporation, de la même... C'est-à-dire, comment on appelle ça? Dans la même lignée, dans la même, c'est-à-dire dans le même groupe que son père, m'excuse, dans le même groupe que son père. Les anciens généraux, ce n'est pas ceux qui ont été renvoyés au temps du CNRD. Même avant le CNRD, Louis Amara est parti, c'était les amis et camarades de son père qui ont bénéficié de ces véhicules. Oh, que Doumbouya était très clair. Les généraux qui ont été renvoyés du gouvernement, qui ont été renvoyés. Sinon, un général, tout le monde connaît un général. Quand il quitte son poste, soit normalement dans les autres pays, on le nomme comme ambassadeur, on le nomme consul, ou bien on le nomme dans les ambassades comme chargé des affaires. C'est comme ça. Pour faire leur vie, terminer leur vie. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Permettez-moi de saluer mon seul entraîneur. Il a été tout le temps mon meilleur entraîneur. Voilà, il entraîne mes petits au quartier Ata. Sla et Massi Traoré, Bengien, il m'a respect. Le meilleur entraîneur de toute sa génération. Bingani Mohamed Slay, merci. La dernière fois, là, j'ai oublié de poster ta photo pour ton anniversaire. Et Diamané, mon frère chéri. Merci beaucoup, Traoré. Donc, un général, il est tout le temps nommé dans les ambassades comme consul pour qu'il termine sa vie. On donne un passeport diplomatique pour les généraux. En tout cas, au Sénégal, beaucoup sont dans les consuls là. Ils sont nommés comme ambassadeurs en Côte d'Ivoire. La plupart, ils sont comme ça. Mais,
Quand on a demandé, et puis malgré que les véhicules, la sonde du groupe, ont été achetés par le professeur Fakonde pour servir le gouvernement, pour servir des entreprises publiques, les véhicules ont été réquisitionnés par la personne qui est connue, par Ismaël Keïta, l'ancien patron des renseignements. C'est lui, Doumbouya, a chargé personnellement de récupérer tous les véhicules. Tous les véhicules du gouvernement. C'est Ismaël Keïta, colonel Ismaël Keïta. Allez-y vérifier dans l'armée. C'est le seul qui a pu récupérer tous les véhicules du gouvernement. Demandé par Doumbouya, suite à ce travail bien fait, parce que c'est Doumbouya qui l'avait demandé personnellement de le faire. Après ce travail-là, il a directement envoyé au renseignement. C'est un travail qu'il faisait au temps du professeur Fakonde, mais au palais Sékou-Touré. Mais le travail, tellement que le travail était très bien fait, il a pu récupérer tous les véhicules du gouvernement, tous ceux qui, même les véhicules qui ont été envoyés pour les, pour comment on appelle ça, pour des missions, pour dans les partis politiques là, il a tout récupéré. Colonel Ismaël Keïta, l'ancien de renseignement. Donc, c'est à cause de ça, Doumbouya l'a envoyé comme patron de renseignement. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Donc les véhicules, les quelques véhicules ont été donnés aux généraux, mais Amara, lui, il est parti chercher les amis de son papa au temps-là, les envoyer et puis les donner des véhicules. Voilà. Donc, moi, je connais beaucoup de ces... Je prends comme le Sénégal. Il y a le général Cissé qui était là-bas, l'état-major Cissé. Aujourd'hui, il est largement... Il est couché tranquillement en Allemagne. Avec toute sa famille, avec un passeport diplomatique. Très bien, il couche tranquillement, tranquille. Tous les anciens généraux, on les envoie comme ambassadeurs, comme ça. Mais c'est nous. C'est lorsque nous avons dénoncé, parlé de ça sur la toile, que beaucoup se sont retrouvés et marchaient à pied. Ils n'avaient même pas la dépense. Ils ont pensé à eux. Donc, bref, vos parents aujourd'hui ont des problèmes. Ne vous plaignez pas. C'est vous qui avez choisi cette option, la facilité. Nous avons choisi d'abord ce qui est difficile. On s'est battu contre le CNRD, contre Doumbouya, et nous avons gagné. Parce que jusque-là, nous sommes comme ça là. Même nos parents qui sont en prison là, nos patrons de Damaro, Kassori, Oye Gilavogui, mais vous avez vu Oye, normalement dans les conditions, Oye devait être libéré depuis où les gens sont venus témoigner qu'il n'a jamais touché à l'argent. Parce qu'on l'avait accusé pour un montant qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Un montant qu'il n'a jamais vu. Il n'a pas vu les couleurs, il n'a pas décaissé, il n'a pas participé aux différentes dépenses de ce montant-là. Dans les conditions normales, il devait être libre. Mais ils sont tous en prison. Malgré que ceux-là sont en prison, mais nous n'avons pas cédé. Et aujourd'hui, les gens sont derrière nous, on nous respecte et puis on nous suit. Ils ont poussé les gens à nous insulter, insulter nos mamans, nos papas, toutes nos familles, pour nous décourager. C'est resté, nous sommes toujours là. Aujourd'hui, nous sommes devenus les personnes à qui vous voulez contacter. Je vais terminer par ça. Vous comprenez? C'est à cause de ça, c'est l'objectif de ma vidéo. Vous passez par des faux comptes. Vous voulez régler vos comptes à travers nous. En tout cas, en ce qui me concerne, moi. Voilà, famille, ce qui s'est passé dans les deux jours-là. Il y a des personnes qui n'ont plus les faveurs, l'amour du CNRD, qui sont plus sollicitées par le CNRD, passent par des faux comptes ou par certaines personnes. Ils veulent régler leurs comptes. Régler leurs comptes. Et ça ne passe pas. Ils veulent passer par nous. Voilà ce qu'ils écrivent. Benito, comment vas-tu? Je suis, tu ne me connais pas, je vais m'identifier après. Mais j'ai un dossier, concernant telle personne. Voilà comment on t'écrit au départ. Ibrahim, comment vas-tu? Benito, comment vas-tu? J'ai un dossier concernant tel. Quand on était dossier concernant tel, c'est un membre du gouvernement, soit c'est un ministre, ou bien c'est une ministre, ou bien en tout cas c'est un secrétaire général, ou bien un inspecteur. Maintenant, bien que tu lui poses la question de savoir qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, où vous étiez avant. Il dit non, c'est pas important, je veux seulement te transférer le dossier. J'ai dit non, vous me dites d'abord. Moi, c'est ma façon de travailler. Merci, Fatmata Souma, merci. Vous me dites qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez fait les derniers temps-là?
Après, on discute. Si ce n'est pas le cas, vous laissez comme ça. La personne ne m'appelle plus. Maintenant, comme moi aussi, je demande après, moi aussi, je prends son numéro, parce qu'il met pas les photos, il y a le numéro là. Je prends, j'envoie, je donne à quelqu'un, il appelle. Franck-Coré, à quoi on va-t-il? On l'envoie, on l'appelle. Et en retour, la personne me dit, Benito, il travaille dans tel poste, à telle administration. Et curieusement, la personne qui voulait vendre là, la personne faisait la même administration, le même service que lui. Voilà qu'on a fait là publiquement. Vous n'allez pas régler vos comptes. Vous ne réglez jamais vos comptes avec, à travers moi, Benito. Non, ça ne marchera pas. C'est vous qui êtes parti dans le CNRD avoir le boulot, selon certains membres du RPG Arc-en-Ciel. Certains de nos amis, certains qui travaillent avec nous, n'ont actuellement balloté. Ah, on ne va pas rester dans ça là, on va évoluer avec Obefort. Nous ne l'avons pas quitté, nous sommes là. C'est les personnes là aujourd'hui qui passent, qui contournent à travers des numéros pour dire non, Kenny maintient. Il y avait un projet là, il y avait tel là, donc n'a fait qu'à Dima. Salut Barry, merci. N'a fait qu'à Dima, n'a fait qu'à dossier, c'est un dossier très lourd. Il y a eu tel virement, il y a eu ça. Non, ça ne marchera pas. Comme à Luyan, vous regardez nos pages là avec des faux comptes. Moi, Benito, si tu veux que je traite le dossier de quelqu'un, il y a deux choses qui ne marchent pas chez moi. Mais donner l'argent, mais demander de l'argent, mais solliciter de l'argent, dire que je te donne l'argent. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vérifie après. Malgré que les gens disent, va travailler, consolement, c'est ce que j'ai fait aux États-Unis. Je sais, je n'ai rien, mais ma vie là, je le fais paisiblement. Parce que moi là, je pète à la hauteur de mes fesses. Je ne suis pas trop... Voilà, non. Et deuxièmement, quand tu veux clasher quelqu'un, je ne rentre pas dans le clash. Mais si tu veux me donner le dossier d'un membre du CNRD, tu me dis d'abord le service que tu avais occupé. Tu me dis, je vois si ça m'arrange. Si ça m'arrange, je lance. Si ça ne m'arrange pas, je ne fais pas. Parce que mon objectif, c'est qui? C'est Doumbouya. Merci, frère Ali Keita. Il m'a demandé ça. Merci pour les étoiles. Celui qui m'intéresse dans tout ça, c'est Doumbouya. Moi, je vous ai dit... La seule personne qui m'intéresse dans tout ce combat-là, c'est Doumbouya. Ce n'est pas un communicant ou un activiste. Non, non, c'est Doumbouya lui-même. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu a payé mon combat. Parce que là où nous sommes maintenant, là, Doumbouya et moi, là, demandons pardon. Doumbouya et moi, là, demandons compréhension. Doumbouya et moi, là, demandons comment traiter ce dossier-là. Parce que aujourd'hui, nous sommes tous pris. Je le dis et je répète. Merci, Béni. Merci beaucoup, Frère Nkoura Poiré. Donc, Doumbouya et moi, aujourd'hui, là, en ben nani. Mbafa en ben nani, ce n'est pas quelqu'un qui a été menotté et mis en prison. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est ça, mais Marquis. Non, Marquis, non. Merci, Ali. Merci, Frère Ali Keita. Marquis, je peux accepter le dossier. Voilà. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a donné un dossier concernant le patron de la sécurité du port qui a été arrêté par Sadiba. Ce qui s'est passé, il m'a envoyé le dossier. Mais quand il m'a envoyé, je lui ai demandé de se présenter. Il ne l'a pas fait. Mais moi, j'avais déjà le dossier. Je ne l'ai pas fait. Mais pendant mon direct, là, j'ai passé ça. J'ai dit ça de passage comme ça. Master Record, comment vas-tu? Merci. De passage comme ça. Donc, je vais terminer par... je vais terminer par les avocats. Ce que moi je voudrais vous dire, cher avocat, cher papa, cher tonton, maître Silla, Yomba et autres là, moi je voulais vous demander un seul service. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Dussou, merci Dussou Mori. Lama, comment vas-tu, mon frère de sang? Ça n'engage que moi, Benito. Quand quelqu'un, comme vous l'avez si bien dit, quand quelqu'un vous dit qu'il n'accepte pas de négocier pour un voleur, celui qui a... Comme heureusement, nous avons la phrase, nous avons le paragraphe, nous gardons ça. C'est venu d'un ministre qui n'est pas blanc-neige dans ce pays-là, Charles White. Il n'est pas blanc-neige. Comme lui, il dit qu'il n'est... Même si les imams descendent, d'ailleurs, il a insulté les imams. Ça montre que nous avons raison de ces faux imams et de ces faux pasteurs. Parce que il a dit le nom de quelqu'un. Il dit... Même s'il n'a pas dit les passés, il a dit, même si les imams descendent,
ça ne va pas marcher. Donc, si nous, comme ceux qui parlent du bon français aiment le dire par ricochet, nous comprenons par là que les imams sont des vendus. Nos imams là sont des vendus. Donc, même si les imams reçoivent de l'argent pour venir négocier là, il ne va pas le faire, lui, Charouette. Donc, comme a dit l'avocat de notre oncle Damaro, moi, je ne m'associerai pas à ça. Donc, je quitte. Les avocats de notre Kassori et autres, eux aussi, ils ont été très clairs. Voilà, très, très clairs. Nous n'allons plus participer. Nous nous retirons. Nous laissons nos clients. Ils sont devant vous. Condamnez-les. Mais aujourd'hui, comment les condamner? Parce que là-haut, comme ça, là, vous-même, Charouette, même cherche l'information. Parce que toi-même, Charouette, tu cherches l'information. Comment est ton patron? Comment ton boss vit? Actuellement, comment ton boss est? Voilà. Donc, pour le moment, là, moi, je demande aux avocats, pour ne pas aller loin, de te laisser tranquille. Occupe-toi d'abord des nouvelles. Cherche les nouvelles de ton boss. Quelle est sa situation actuellement? Son statut? Voilà, cherche ça d'abord. Tu as vu, non? Wallahi billah, ça sera l'inverse dans quelques jours ou quelques semaines là. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Frère Salou Barakalakio. Wallahi, il se prend trop au sérieux, wallahi. Charouette, je te le jure, mon grand-père, Condé Junot, salut. Charouette, Mbadambé. Voilà. Mbadambé, moi, je me limite là. Je me limite là. Pour le moment, d'abord là, occupe-toi. Nous avons les. Parce que là où tu es comme ça, wallah, Charouette, tu as envie de m'appeler ou appeler notre communicant pour avoir les nouvelles de ton patron. Ita Kolo, na Kolo. Wallahi billahi talahi. Yakolo nakolo. Mais tu ne peux pas nous appeler et demander les informations, les nouvelles de ton patron. Ou bien viens dire que tu l'as vu. Tu sais, c'est comme ça Sadiba est venu dire qu'il n'y a pas de problème entre Doumbouya et lui. Il n'y a pas de problème entre Idi Amin et lui. Qu'ils ont tellement à faire que ce problème d'ego là, tu connais deux jours après, tu connais la suite. Lorsque moi j'ai dit que ça ne va pas, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'avait dit. C'était un des soldats de Sadiba même. C'était pour aider son patron. Ouvrir ses yeux, lui dire que ça ne va pas. Parce qu'eux, ils n'osaient pas le dire directement. Les gens nous ont dit, sinon c'est vous qui avez fait Sadiba, c'est cela. Et ils connaissaient la suite. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? C'est tout. Donc, c'est tout. Bakabiro, how you doing? Donc, moi je vous laisse ici, je vous demande. Voilà. Moi là, ce que je dis là, c'est ça. Charouette, Ntami Kombima. Moi, Ntami, tu sais, il y a une radio qu'on appelle Continental FM. L'argent que tu donnes. Donc, ils ont signé la vidéo. Voilà. Merci, salut. Ils ont signé la vidéo. Voilà. Tu as vu, dès que j'ai dit ton nom, ils ont signalé ma vidéo. C'est pas grave. En tout cas, je vais devoir laisser les gens. Merci pour les cœurs. Vous êtes plus de 500 et quelques. Il devait avoir 500 partages. Mais bon, malheureusement, il n'y aura pas 500 partages. Mais que chacun partage une fois ou deux fois. Donc, Charouette, nous t'en bas d'un pays. Tu sais, Charouette, aujourd'hui, il faut demander à Goumou. Ses propres parents, aujourd'hui, on commence à l'insulter. Ceux qui l'ont supporté là, on commençait à insulter. Ceux qui ont dit tout sur nous là, ont commencé à nous suivre, sans nous insulter. Tu sais, lorsque moi je parlais de forestier là, je ne m'adressais pas à une ethnie, hein, mais quand tu dis forestier là, pour les guerriers là, ils sont les seuls forestiers. Or que moi-même, je suis konyanké. Dans mon sang là, c'est le sang konyanké, même s'il y a moitié, mais c'est le sang konyanké. Voilà, il y a une partie qui est konyanké, il y a une partie qui est peul. Mais chacun est fils de son père. Donc, le fils de son père. Donc, je suis konyanké. Et je suis forestier. Le Kissi est forestier. Même il y a des malinkés forestiers. Guéguenou, il y a des malinkés qui sont... Les shérifs de Guéguenou sont des forestiers. Ils sont des Guéguenou. Voilà. Donc, quand moi, j'ai dit ça, là, à certains forestiers, il y a même un qu'on appelle
Charles Continuité, qui était avec nous, le président, venez, il a mis mon nom Benito Pédé. Il a insulté mes enfants. Voilà, quand il dit que je suis Pédé et j'ai des enfants, mais est-ce que je veux le répondre? Aujourd'hui, lui-même, il voulait avoir un projet, il voulait avoir un chantier, ça n'a pas marché. Il n'y a pas d'argent. Moi, la seule réponse que moi je lui ai donnée, il y avait un de mes petits qui travaille avec lui. Je commençais par couper le pont là. Et moi, j'arrangeais beaucoup le petit là. Je l'arrangeais beaucoup. Moi, j'ai réglé mon problème. Automatiquement, j'ai compris. Quand moi, j'arrange le petit l'arrangeait, lui. Donc, portez-vous très bien. Moi, je me limite là. Aujourd'hui, Charouette, Navran Biliaro, je le répète encore une fois. Si tu veux avoir, voilà, voilà. Si tu veux avoir les informations de ton boss, ne te fatigue pas. Mon numéro est le 001 215 779 76 34. Tu m'appelles là, wallahi billah tala. Non, ma mérine de ranimé au soudira. Hamoura Baye qui sait que ma. Et quoi appelle ça? Comment je peux être en soussou? Et à Falambe. Tu n'as pas besoin, je ne viendrai pas te clasher. Tu viens me dire, wallahi billah tala, mérine de ranimé au soumaïra. Non, non, ma m'a l'idée, il doumbia akli. Sinon, n'a mal, il m'a akli, il m'a soutenu, il m'a falaibé, il m'a soutenu. Et bah, toi. Bon, il faut te tranquilliser. Il y a des gabis aussi en forêt. Donc, moi, les forestiers là qui m'ont aimé, qui sont restés avec moi, tout le monde sait ma vie. C'est moi qui ai dit que vous avez vendu mon grand frère. Dadis. Et je le dirai toute ma vie. C'est vous qui avez vendu notre frère, Dadis. Vous l'avez vendu cadeau. Cadeau. Voilà. Donc, portez-vous très bien. Bonne journée. On se reprend le soir. Voilà. En attendant. Non, non, Dari Gallo, merci pour les étoiles, mon frère. Yolande la mignonne n'a mon. Solande que la mignonne n'a mon. Mignonne n'a mon. Mignonne, côté Bojo Guti numéro. Voilà. Côté Bojo Guti numéro. Mignonne n'a mon numéro. On a d'amour. Voilà, moi, il y a des passants. En attendant là, nous qui sommes en prison, Rainverse Mouraba, c'est qu'un Tamara. Ici, il y a Géli. Ici, il y a Géli. Ali Touré, c'est Géli. Connaît l'ancien ministre de la justice, connaît Nasiga Géli. Et bien, comprends. Il en a procuré à Ibori, ton ami de promotion là. Non, a procuré à Nasiga Géli. Hamouraba. Tu me comptes parmi. Il y a 30 véhicules. Portez-vous bien. On se reprend après. À Koloma. Tu vas lire l'air dans ce pays-là. Il est à Karamane. Il faut continuer à payer Continental FM. Et Rafa Moutou Sofé. Na Radio Borog Nanaki. Na Radio, je ne sais pas comment on appelle ça.